stationnerie offshore ce midi sur la Canon rebonjour à toutes et à tous. On a la brume encore présente, mais ça commence à se dissiper un peu. La température est glaciale, on relève 3 à 4 degrés, dans l'eau 13 degrés. On est sur une marée qui commence à peine à monter, parce qu'elle était basse à 10h50. Elle sera haute à 17h05 avec des coefficients importants de 101. Sur ce début du montant, le vent est offshore établi à sud-est 1 à de Beaufort. Le plan d'eau est très propre. On a une belle houle longue avec 12 secondes de période. Une houle qui est orientée ouest à ouest-nord-ouest, qui est propre elle aussi, stationnaire en taille par rapport à ce matin. 50 cm réguliers, 70 cm série régulière. Et de temps à autre, toutes les 5 à 6 minutes, on a une série qui pointe son nez aux alentours d'un petit 80 cm, mais plutôt rare. Il y a des bouts, il y a de quoi glisser. Sur les meilleures bandes de sable, là, hop, celui-là, vous voyez, il y a quand même une vague à surfer là. Le surfeur est au large, c'est coin-coin parce qu'il attend les séries à 80 cm. Les faces de vagues sont lisses, les épaules sont semi-creuses. Au fur et à mesure que la marée montera, les conditions s'amélioreront. Évolution pour le reste de la journée, la boue arcachon continue de baisser. La houle devrait s'essouffler un peu en fin de journée, amortie par le vent offshore. On attend à 13h50-70 à 50-80, houle ouest à ouest-nord-ouest, 12 secondes de période, vent est-sud-est, 1 de Beaufort. Et à 17h50-70, houle ouest à ouest-nord-ouest, 12 secondes de période, vent est-sud-est, 1 de Beaufort. Avec le montant, ça va s'améliorer. Attention, plein haut, gros coef, on risque d'avoir des vagues assez inconsistantes. Je vous tiens informé sur le 08-92-29-78-73 à 14h. Bonne journée, merci.